France, cela fait presque 2 mois que les mesures de confinement ont été mises en place pour gérer au mieux la crise provoquée par le coronavirus. Nos libertés ont donc été restreintes en conséquence. Nous avons dû tenter de nous adapter pour y faire face. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle étape dans ce plan de gestion, avec le retour de certaines libertés et la remise en route progressive d'activités mises en pause. Après presque 2 mois de confinement, la perspective du déconfinement est source de tout un tas d'émotions diverses, et notamment des inquiétudes et des angoisses pour bon nombre d'entre nous. Dans cette vidéo, nous partageons quelques pistes et idées pour vivre ce déconfinement de la façon la plus sereine possible. Vous verrez que l'idée principale à garder en tête sera que le déconfinement va se faire progressivement, petit pas par petit pas, au fur et à mesure. Avec la sortie du confinement, nous allons peu à peu, progressivement, reprendre des activités, qu'elles soient professionnelles, associatives, de loisirs ou de soins. Et tout ne sera pas non plus comme avant, puisqu'il va falloir quelques aménagements nécessaires, comme maintenir les gestes barrières et proposer au maximum le télétravail. Certains lieux ne réouvriront pas non plus tout de suite. Il faudra composer avec ça et avec la distanciation physique. Dans cette vidéo, nous nous appuyons sur nos connaissances, mais aussi sur notre vécu expérientiel. Cette vidéo est donc à prendre comme un partage d'expériences, de recommandations, mais aucunement comme une prescription rigide. Des choses vous parleront, d'autres non. Depuis le début du confinement, j'assure un suivi par téléphone auprès de personnes que nous accompagnons au centre de réhabilitation psychosociale. Dans le contexte actuel, on remarque que des inquiétudes émergent face au déconfinement. La première dimension, ce serait les inquiétudes liées au risque de contamination. Celles-ci ne vont pas disparaître par magie avec le déconfinement. On retrouvera donc toujours la peur d'être contaminé, de voir ses proches contaminés. Nos principales armes face à elles restent les mêmes: respect des gestes barrières, soutien social et exposition aux médias limitée et contrôlée. La deuxième dimension d'inquiétude que l'on rencontre, on va les appeler les inquiétudes autres. Pour autant, ces inquiétudes autres, on ne va pas les minimiser ni les oublier, et il faut surtout pas les décrédibiliser. En fait, l'absence de repères dans notre vie, c'est quelque chose d'anxiogène. Et le confinement est donc venu bousculer une première fois nos repères. Alors à partir de là, on va dire un peu deux cas de figure. Premier cas de figure, ben pendant ces 2 mois, on n'a pas réussi à remettre en place de repères. Donc ben là, on est déjà de fait dans une situation où on est plus sujet à l'anxiété. Si pendant ces 2 mois on a réussi à remettre en place des repères, encore une fois, du coup, on peut être anxieux à l'idée que ces repères soient bousculés, et c'est plutôt légitime. Ils le seront forcément dans une certaine mesure. Et le stress, c'est exactement ça. Le stress, c'est une réaction qui se met en place face à une situation qui vient nous déstabiliser. Une situation perçue comme un danger pour notre équilibre. Il est là dans le but de nous adapter et de faire face. On peut dire que le stress est une réaction normale face à la situation anormale que nous expérimentons en ce moment. Nous risquons donc d'être pris dans une ambivalence entre une certaine impatience de reprendre des activités, de renouer certains liens, et une anxiété liée à la peur de voir les habitudes que l'on a mises en place chambouler, le retour de sollicitations plus nombreuses et ou les craintes liées aux contaminations du virus. Ces craintes, elles peuvent s'activer dans tout un tas de domaines de notre vie. Parmi les questionnements qui sont partagés par les usagers avec lesquels on peut échanger, ces derniers reviennent souvent. La question de la reprise des transports, la question de la reprise du travail en présentiel, la question de la proximité avec autrui dans un contexte d'épidémie. Une fois que vous aurez identifié ces sources de stress, ces situations angoissantes par rapport au déconfinement, vous pouvez commencer à chercher ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation. Ce sont des techniques que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de vivre au mieux ces situations et d'améliorer votre bien-être, de faire diminuer votre anxiété par rapport à ces situations-là. Bien évidemment, il existe des milliers de façons de s'adapter à une même situation. Les techniques qu'on va choisir vont dépendre à la fois de notre personnalité, de notre tempérament, de nos ressources personnelles et de nos besoins. L'adaptation centrée sur les problèmes implique qu'on puisse changer, avoir un changement direct sur la situation qui est la source du stress. Voici un exemple. Pour moi, la reprise du travail est assez anxiogène et principalement pour 2 raisons. La première, c'est la reprise d'utilisation des transports. Et la deuxième, c'est de savoir comment va être mon environnement de travail à la sortie du confinement. Concernant le premier point,
Avant le confinement, j'allais en général au travail en transport en commun. Ce que je me sens plus vraiment de faire, même si la distanciation physique est respectée. Du coup, la stratégie pour moi, c'est de réfléchir à des moyens alternatifs de me déplacer en dehors des transports en commun. Donc là, ça va être la trottinette ou les vélos à libre disposition. Et puis, dans le même temps, m'entraîner pour un jour réussir à reprendre les transports en commun, notamment en allant sur le quai du tram, voir de l'extérieur comment les choses se passent dans le tram, pour du coup me préparer à prendre les transports en commun si un jour la météo ne permet pas d'utiliser les transports alternatifs que j'ai trouvés. Et puis aussi préparer à l'avance ce que je vais faire dans les transports en commun. Ça peut être lire, regarder des vidéos, envoyer des messages à des amis, répondre à un mail, écouter de la musique. Si vous devez prendre les transports en commun, sachez que les compagnies de transports en commun, évidemment, s'engagent à que les gestes barrières soient respectés en pratique, mais ça n'empêche qu'aux heures de pointe, le matin et le soir, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup de monde. Ça peut être une source d'anxiété. Et l'idéal, c'est évidemment de les éviter autant que possible. Donc là aussi, n'hésitez pas à voir avec votre employeur si décaler votre temps de travail un peu plus tard le matin ou un peu plus tôt si vous êtes matinal pour partir un peu plus tôt le soir ou partir un peu plus tard, ça vous permettra de voyager encore plus en sécurité et ce sera une source d'inquiétude en moins. Le deuxième point, c'est de savoir comment va être mon environnement de travail une fois que je devrais y retourner. Ça peut être aussi pour une activité associative ou autre chose, afin de savoir comment ça va être organisé pour que tous et toutes on puisse être en sécurité à l'intérieur de ce lieu, que les gestes barrières puissent être appliqués pour faire des réunions, pour faire des entretiens avec des personnes que j'accompagne. Pour moi, ça c'est important afin que je sois serein. Donc là, du coup, ce que je vais essayer de faire, ça va être de prendre contact avec mon responsable pour essayer d'avoir des aménagements, voir aussi comment va être aménagé le lieu, à quoi il va ressembler, pour pouvoir y retourner dans des bonnes conditions. De votre côté, si la reprise du travail vous inquiète aussi, n'hésitez pas à contacter votre responsable ou la structure où vous allez régulièrement pour savoir quels aménagements sont mis en place, comment est-ce que la reprise va se faire. Et idem pour la façon dont ça va se passer au niveau des rendez-vous médicaux, de vos activités, etc. N'hésitez pas à contacter les personnes que vous avez besoin de contacter. Si on se focalise sur la question des interactions sociales, on peut voir comment l'ambivalence prend place et comment elle est légitime, cette ambivalence. Après le sentiment d'être seul chez soi, on peut par exemple ressentir le sentiment d'être seul au milieu des autres. Ce dernier sentiment, c'est un sentiment qui peut nous paraître paradoxal, qui peut nous donner l'impression qu'on n'est pas normal, qui peut nous faire culpabiliser. Il est donc important de le replacer dans le contexte pour le comprendre. D'une part, nous avons été relativement coupés les uns des autres pendant 2 mois. Or, les interactions sociales, c'est loin d'être une évidence et c'est coûteux en énergie. De plus, si on a limité les contacts entre nous, c'est pas donc dans un contexte neutre. Ça a été dans une logique de protection. Donc, d'un côté, tout en ayant besoin de soutien social, les autres, c'est aussi le danger à ce moment-là. Je me souviens par exemple de ma première sortie au supermarché pendant cette période. J'étais presque euphorique de revoir des gens, je me sentais un peu en connivence, un peu connecté. On traversait tous le même événement difficile. Mais ça m'a pas empêché de ressentir un malaise quand, au rayon des céréales, je me suis retrouvé cerné par 3 personnes. C'est pas nos sentiments qui sont paradoxaux ou anormaux, c'est la situation. Et bien que le confinement prenne fin, il nous est toujours demandé de conserver cette vigilance apprise. Dans ce contexte, il va nous falloir accepter une certaine étrangeté, une certaine ambivalence dans nos relations avec les autres. L'accepter, donc, c'est ne pas s'en vouloir de la ressentir et tolérer que les autres puissent également la ressentir. Ne pas se culpabiliser d'avoir eu un comportement a priori étrange et ne pas non plus en vouloir à quelqu'un ou se sentir touché personnellement si, par exemple, notre collègue a un mouvement de recul quand on arrive. Ni si notre voisin, quand on arrive, on est dans l'ascenseur et du coup il va préférer prendre l'ascenseur suivant ou monter à pied même s'il habite au 8e pour pas être en proximité avec nous.
Comme les relations sociales, je le répète, elles sont coûteuses en énergie, il va peut-être nous falloir nous réentraîner avant de se sentir au moins autant à l'aise qu'avant. La semaine précédente, par exemple, de nombreux collègues ont repris le travail et je remarque que j'ai fait un peu l'ours. Et je suis pas le seul. Peut-être important pour nous de s'autoriser des moments de pause sociale, aller manger dehors, s'isoler un peu dans son bureau, mettre un casque sur ses oreilles. Voilà, tout ça si ça nous est possible et qu'on en ressent le besoin. De même, c'est pas parce que ça nous est rendu possible de revoir nos proches que l'on sera forcément à l'aise à l'idée de tous se retrouver ensemble dès le 11 mai. Au contraire, pour certaines personnes confinées en ville, le premier besoin, ça va être d'aller s'isoler pendant un week-end à la campagne. Voilà, ça va dépendre pour chaque personne, mais globalement, il est important de penser progressif et d'être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. C'est peut-être aussi un moyen, comme moi, vous avez trouvé d'autres façons de communiquer et d'échanger avec vos proches. Dans ces façons d'être en lien, qu'est-ce qui m'a convenu? Qu'est-ce qui m'a pas vraiment convenu? Qu'est-ce que je maintiens ou pas après le confinement? Et qu'est-ce que je garde ou pas dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me fait du bien ou pas? Est-ce que par exemple les appels vidéo sont plus confortables pour moi que les appels téléphoniques? Est-ce que c'est plus simple pour moi d'échanger via un réseau social ou par un autre? Puis, est-ce que je me suis senti envahi ou pas par ces échanges, ces liens? Est-ce que j'ai pu poser mes limites et dire mes besoins? Et si c'est pas le cas, c'est ok, c'est pas simple du tout de faire ça. Mais si ça a été le cas, si vous avez réussi à le faire, ça peut être intéressant de réfléchir à comment est-ce que je peux transposer ce qui s'est passé en ligne à ce qui se passe à l'extérieur au niveau de la communication avec les autres personnes. Il est donc essentiel d'avancer en s'exposant progressivement. L'idée que la peur, elle s'affronte en plongeon directement de 10 mètres de haut dans l'eau glacée, c'est une idée qui peut des fois être répandue mais qui est complètement fausse. Par contre, il est prouvé que l'anxiété, elle s'apprivoise progressivement par habituation. Quand on parle de remettre les choses en place progressivement, c'est aussi prendre un temps pour se dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai mis en place pendant le confinement qui me faisait du bien? Et réfléchir comment pouvoir les maintenir le plus possible après la fin du confinement. Par exemple, si vous avez commencé le dessin et que c'est une activité qui vous détend, c'est bien de pouvoir peut-être le maintenir dans votre organisation, une fois par jour, une fois par semaine ou autre. Je prends un temps, je le planifie pour dessiner et je m'accorde ce moment de détente. Pour les situations que vous ne pouvez pas changer, sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise, vous pouvez choisir alors de modifier votre réaction émotionnelle face à la situation. Par exemple, si vous êtes contraint de prendre les transports en commun, que vous n'avez pas le choix pour vous rendre au travail, vous pouvez alors choisir une technique de gestion de stress basée sur la respiration. Parmi ces techniques, je vous conseille par exemple d'utiliser une technique simple qui s'appelle la cohérence cardiaque. Pour cela, vous pouvez télécharger une application mobile gratuite telle que RespiRelax, qui est très bien et vous guidera parfaitement pour pouvoir vraiment être maître de votre respiration et calmer votre anxiété. Mettre en place des stratégies de résolution de problèmes, ça va parfois passer par le fait d'arriver à communiquer autour de ses besoins. C'est quelque chose qu'il est important de s'autoriser à faire, mais qui peut demander des compétences en affirmation de soi. Il n'est pas forcément évident d'échanger avec son patron autour du souhait de reprendre à mi-temps ou de rester en télétravail. Bien que cela soit aidant de savoir qu'au niveau gouvernemental, c'est des recommandations qui ont été clairement posées. De même, si vous êtes accompagné par différents professionnels de santé, vous pouvez avoir peur qu'au déconfinement, on vous propose une pluie de rendez-vous et être mal à l'aise à l'idée d'en refuser. Pour autant, le mot d'ordre, ça reste la progressivité. Il est important de communiquer sur vos besoins. Pour cela, il faut faire preuve d'affirmation de soi. Vous trouverez des ressources à ce sujet dans le descriptif de la vidéo, mais on peut en dire quelques mots brièvement. Pour parler d'affirmation de soi, on dit souvent ni paillasson, ni hérisson. Donc l'idée, c'est que bien sûr, il s'agit de ne pas se faire marcher dessus.
Mais il s'agit aussi de ne pas non plus écraser l'autre. L'idée donc de l'affirmation de soi, c'est de pouvoir exprimer ses envies et besoins tout en respectant les besoins de l'autre. L'affirmation de soi, ce n'est pas un trait de caractère, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est savoir exprimer ses besoins, mais pas forcément obtenir gain de cause. Ça, s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas, ça appartient aussi à l'autre et à la situation. Alors, on va reprendre rapidement juste quelques règles sur comment formuler une demande, du coup, comment exprimer ses besoins. Alors, parmi les clés qu'on peut voilà, utiliser souvent, c'est déjà commencer en employant le je, en parlant à la première personne. Donc, on emploie le je et on est direct et précis. On a besoin de quelque chose, il faut le dire de façon à être compris. Dans un second temps, il faut écouter activement la réponse de l'autre. Donc, comprendre ce qui peut éventuellement être compliqué pour lui. Et, selon l'importance de votre demande, reformuler les arguments de l'autre. Donc, montrer que vous avez écouté et que vous avez compris. Puis éventuellement insister. Ça peut être je comprends que, mais j'ai vraiment besoin. Et là, on peut aller plus loin en employant une méthode qu'on appelle la méthode du disque rayé. Donc la méthode du disque rayé, c'est ben, on répète la même chose. Voilà. C'est basique, mais ça a fait ses preuves. Selon l'importance de la demande, on peut alors choisir d'évoquer les émotions qu'on ressent, du coup, ces émotions en soi, et aussi la compréhension des émotions de l'autre. Donc ça peut être. Bah écoute, ça me gêne d'avoir à insister. Voilà, ça peut être, je comprends que cela t'ennuie, mais voilà. Quelques points essentiels sur lesquels je voudrais revenir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir les choses. On a tous des vécus émotionnels qui nous sont propres et c'est comme ça. Deuxième point, donc. Tentez d'être bienveillant avec les autres et surtout d'être bienveillant avec vous-même. Puis même si des fois on n'arrive plus trop à être bienveillant avec les autres parce qu'on est un petit peu débordé, ben on essaie de rester au moins bienveillant avec soi-même. C'est pas grave, ça arrive. On s'informe régulièrement si on en ressent le besoin. Sinon, même stratégie que pendant le confinement, on se tient informé du nécessaire en consultant des sources fiables et on fait attention à la façon dont on s'expose aux médias. Éventuellement, on demande les informations à un proche, mais alors attention, un proche qu'on juge fiable et pas trop pris par l'anxiété lui-même. Enfin, pas de règles ni de bonnes façons aussi concernant les relations sociales, mais on est vigilant à ne pas rester isolé. Ce confinement, il a été plus ou moins difficile à vivre pour à peu près tout le monde et pas seulement pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. L'adaptation est pas simple, a pas été simple, mais chacun à notre façon, on a réussi à s'adapter. De la même façon, le déconfinement et le retour à des activités jusque-là arrêtées ou à un changement de rythme peut être source de stress. On va tous devoir s'adapter, se réadapter à un contexte nouveau. L'idée, c'est de se réentraîner à faire les choses petit à petit, tout doucement et à son rythme. Il y a une métaphore que j'aime bien et qu'on peut appliquer un peu à la situation du déconfinement. C'est celle du sportif, du sport. Si on n'a pas couru depuis 10 ans, on ne va pas reprendre la compétition directement. Il va falloir y aller palier par palier. Et c'est un peu pareil du coup pour le déconfinement. Vous avez pris le temps de regarder cette vidéo, ça montre que vous êtes dans une démarche de prendre soin de vous, une démarche de faire face au mieux. Donc ben, là aussi, la bienveillance, elle commence à ce moment-là. Vous pouvez déjà ben, être satisfait et être fier voilà, d'avoir fait cette démarche-là.